Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur mes chaînes, donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu téléphone, Crystal Knight, jeu qui est sorti aux environs du 22 avril 2024, raid à 32 joueurs. Mais écoute, hein, s'il n'y a que des raids à 32 joueurs, on est mal barré. Alors, on va découvrir un petit peu ce jeu ensemble et voir ce qu'il donne. Donc là, il y a pas mal de joueurs dessus, donc il faudra aller là-dessus. On va aller là-dessus, hein, pour aider. Hein. Donc là, il faut aller où il y a du monde. Donc au jour 1, c'est fait. Guide, consulter les guides. Ok, entrée. Donc, tu vas, ok. Terrain de cristal. Forêt. D'autres joueurs, bah je sais même pas où je suis, moi même demande mon nom, c'est pas moi, je suis pas dedans. Il est où mon personnage? C'est mon équipe. Ah d'accord, c'est mon équipe. Alors je crois que c'était qu'un seul personnage en fait. Non, c'est une team que tu as. Moi c'était une excellente. Éliminer des monstres. Allez, vas-y. Je vais changer la caméra, je vais dire. Mieux, tout plus loin. C'est le plus. Niveau. Compétences. Héros. Compétences. Envoyé. Donc là. Regardez, très longtemps, ils sont que classe, ils sont pas terribles les classes. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Alors, magasin, invoquer. Ah, je vais invoquer, moi. Catalogue, ordre chevalier, organisation d'ordre chevalier, héros, invoquer, deux fois invoquer. C'est des montures, ça, je pense. C'est des montures. Terrain avec cristal, donjon, passe, ouais, inventaire. Ok. Et moi, j'aurais bien invoqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous a ? Ordre chevalier. Ah, tu montes un petit peu les stats de ton équipe. Un petit peu d'esquive. Voilà. Coup d'attaque. Ah, tu peux monter la défense. Ok. Après. Ok, là, acquisition d'or, ok. Ok, donc là, c'est où je suis dans quoi? Ah, croissance ici. Là, c'est entraînement, là, c'est croissance. Donc là, il vous propose acquisition d'or de terrain, expérience de terrain, acquisition de position. Option de 1, il faut vraiment tout avoir. Ah, il faut tout monter. Parce que autant le terrain, c'est bien, mais les autres aussi sont pas mal. Parce que là, c'est des connexions, les deux. Et ça, c'est quand vous jouez. Donc, il faut vraiment mettre des points partout là-dedans, celui-ci. Bon, un peu plus, bah tout dépend, ça sera comment vous jouez, quoi. Si malheureusement, vous pouvez pas être trop actif sur votre jeu, eh ben, autant monter. A priorité, tout ce qui est déconnexion, même si vous mettez un petit peu de points dans le jeu, bien sûr. Mais sinon, mettez l'autre. Par contre, si vous êtes plutôt actif, ou connecté, eh ben, là, laissez bien... la croissance en sur le terrain, quoi. Hop, c'est bon. Donc après il y a quoi encore? C'est quoi ça? C'est des ordres, ok. Inventaire, quête. Hein. Et puis tu montes. Ah d'accord, ok. Et par contre il y a que moi dedans. Ça serait un donjon? Non, même pas. Bizarre. Ah, ou tu peux pas être plus de 32 dans le serveur?
XP insuffisant. Ah, tu montes XP, d'accord. J'ai pas assez d'XP pour monter le reste aussi. Ah, il faut. Ah, celui-là, il faut que je le monte là. L'or. Ah, tu pourrais regarder une vidéo par contre, pour la voir. Voilà. Je vais demander de monter. Formation Stagma. 5 et. Moi je vais invoquer moi. Voilà. Au guide 31, je suis au guide 18. Il y a un petit peu de temps quand même. Ah vous les avez en haut là. Ressources. L'or, l'acquisition, avoir plus d'or et monter plus des niveaux. Vérifier le pass. Passe de combat, ok. Bah voilà, vous voyez du jeu. Hein. Fera monter un niveau, donc votre team. Vous pourrez invoquer pour avoir d'autres personnages. Alors je sais pas si vous pourrez avoir. Là je vois qu'il y a écrit il y a 4 et là il y en a 4. Est-ce que vous aurez une team et après c'est des 4 autres personnages que vous pouvez avoir, team de secours peut-être. Ou alors vous aurez peut-être jusqu'à 8 personnages de terrain. Ça peut être sympa. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.